Après une première étape, semaine passée, yo, dans prison minéo, Sermicol, autorité judiciaire a poursuivi Jounen Madia, procédure rapide qui relait audience spéciale là, dans prison civile pour femmes dans Pétionville. Démarche ça a un objectif, combattre détention préventive prolongée. D'après commissaire gouvernement Port-au-Prince là, met clamé au CNAM d'Ameyus, qui ensemble avec doyen tribunal civil là, juge Bernard Saint-Ville, t'est penché sous cas prisonnier yo. Chef paquet a précisé, autorité judiciaire yo a organisé audience spéciale sans assistance jury depuis un mois pour libérer quelques monde qui pas mérité rester dans prison, mais tout pour définir situation en série prisonnier sous base ça qui reproché yo. Met clamé au CNAM d'Ameyus avec juge Bernard Saint-Ville dans micro Radio Télé Kiskeya. T'es attend non pour entrer dans même logique avec ministre justice là qui depuis l'est arrivé te fait des luttes contre détention préventive prolongée cheval de bataille. Et dans cadre lutte ça, il te dit pour nous comment on capable appliquer dans toute sa rigueur loi du 6 mai 1927 qui prévoit une procédure plus rapide pour délit qui relève de tribunal correctionnel. C'est dans cadre ça nous avons gagné une opération coup de poing qui a commencé. Nous avons gagné pile de monde qui a été jugé dans le tribunal correctionnel. Moi-même, à commissaire gouvernement, comme deux chefs de juridiction, nous avons entendu, nous avons dit, parallèlement, nous avons tout organisé des audiences spéciales criminelles sans assistance du jury. Depuis plus qu'un mois, nous avons commencé l'audience criminelle sans assistance du jury. Nous avons regardé, nous avons le tribunal a gagné 7 salles d'audience, plus une salle d'audience qui a gagné dans le tribunal pour enfants. Moi, le commissaire a noté dit comme nous avons un pile dossier qui est en état de recevoir jugement, comment nous sommes capables d'organiser d'autres audiences spéciales pour nous capables faire mon juger tant que là où est ordonnance. Rendez-vous en 2013, alors que c'est qu'on a jugé maintenant. Donc automatiquement, le ministre là, a pris une responsabilité dans le ministère. Il a lancé l'opération. Donc, paquet, surtout paquet de Port-au-Prince, que moi-même moi représenté comme commissaire gouvernement, moi j'ai une charge pour nous capables de conduire l'opération. Voilà que nous avons commencé dans des mondes dans le palais de justice. Maintenant, l'espace que nous avons réduit, nous estimons que nous n'avons pas qu'à faire la quantité de monde que nous avons pour nous juger. L'espace que nous n'avons pas suffisant dans le palais de justice, nous obligé moi-même à chercher pour m'élargir le cadre là. Parce que nous avons besoin de juger plus de monde possible. Alors, c'est peut-être ça, je vous dis. Le ministre a fait plusieurs visites déjà dans chaque prison, pénitentiaire nationale. Prison pour enfants Sermicol à Delmas et puis prison civile pour les femmes Pétionville.